Actualité a mené nous dans New York avec troisième journée Assemblée générale Nations Unies. Côté, nous pourrons le rejoindre. Envoyé spécial, nous, qui c'est Valerio Saint-Louis. Et Valerio, une fois encore, nous, Haïti sonne fort dans les Nations Unies, et ceci dans plusieurs occasions. Mais plus fort, ça, c'est discours président, Conseil présidentiel transition, en parlant de Edgar Leblanc-Fils. Tout à fait. Bonsoir Jacqueline. Effectivement, dans la troisième journée, ça, journée côté que leader, président, nation a défilé sous podium des Nations Unies, eh bien, message, ou du moins ce discours qui était plus attendu pour aujourd'hui, c'est justement discours République d'Haïti. C'est à la tête délégation haïtienne, là, président conseil, là, Maître Edgar Fils, eh bien, Leblanc-Fils lui-même te prend la parole, mais on discours quand même qui vient dans le contexte côté que tu es quand même gagné et tu mets en tête notre délégation. C'est après ça, en pile, monde dit. Mais dans le micro VOA créole, il t'a expliqué, il t'a clarifié que il y a une seule délégation et délégation ça travaille en harmonie entre Premier ministre Garry Conille et certainement président conseil là. Donc, sous tribune podium Nations Unies, je dis à discours là, message a été lancé et c'est président conseil là et Edgar Leblanc-Fils qui te prend la parole et VOA créole justement, un extrait pour vous, on a regardé. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérant dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779 nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis. L'établissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Avant, M. Edgar Leblanc, président CTPA, eh bien, t'es l'autre occasion, aujourd'hui à Valerio, côté non Haïti, t'es sonné fort encore. C'était dans le discours président pays Kenya, William Ruto, et Kenya, cap dirigé MMAS, là, dans le pays d'Haïti, Valerio. Tout à fait, Jacques-Claire. Vous dites tellement bien que, effectivement, nous connaissons que le président William Ruto, non seulement il a visité le pays d'Haïti, il est dans le pays, il vient ici direct dans les Nations Unies, dans la 79e Assemblée, côté que débat était autour de Haïti et de participation force, force MSS, j'aurais les cite en anglais, côté que lui-même, avec le pays, Kenya, il est à la tête force ça. Il déjà promet un contingent de 600 policiers kenyans, qui a pas ajouté à 400 qui sont déjà sous place en Haïti, côté que le pral fait, justement, promet ça que le TFR, côté que 1000 policiers kenyans pourraient faire partie de force. Mais il y a l'autre pays qui t'a supposé et ajouter et force police par eux dans MSS. Là. Alors, président kenyan, ces jours-ci, l'a fait actualité avec le pays d'Haïti. Donc, nous allons comprendre que sous tribune Nations Unies, c'est sûr que l'État est obligé de parler de Haïti. À part de rencontres bilatérales que le fait avec l'autre partie concernée, et notamment les représentants de la délégation haïtienne, là, président kenyan, il fait promesse et il dit que l'a délivré promesse. C'est ça que justement, sous podium Nations Unies, nous allons attendre. Ou
extrait que VOA Creole gen pour vous, côté que président kenyan li promet et li dit que eh ben en fin mois janvier 2025 là, li promet et l'a délivré que tout contingent force kenyan l'a au total dans pays d'Haïti. En attendant yo extrait discours ça que président kenyan a fait sous extrait des Nations Unies William Ruto. Kenya has deployed le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formé pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels. Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes éternellement reconnaissants aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins, le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème. Valérie, on a pile information cap circulé et sous mission. Gagné par exemple un gros officiel dans le département d'État américain qui parlait avec VOA Creole. Et c'est où qui t'a réalisé interview ça? Et envoyons un rapport complet de qui ça nous capable retenu, qui soit même retenu essentiellement de interview ça avec gros officiel département d'État ça. Tout à fait, Jacqueline, officiel ça quoi parler de l'IA, c'est madame Barbara Feinstein qui lui-même lycée assistant député secrétaire d'État pour affaires Caraïbes avec Haïti. Une autre fois encore, Anessa a chita ensemble avec VOA Creole et lui répond en détail différentes questions que nous t'ai posées. Lui éclaircit plusieurs points et des questions qui en pile dans nous t'aimer poser, nous poser pour vous et on a besoin de réponse dans l'interview ça que certainement on a gagné dans toute intégralité sous VOA Creole. Mais qu'on y a nous cadre que madame Barbara Feinstein lui explique clairement, il démentit dans commencement interview là que c'est pas vrai. Et rumeur ça qui a circulé à Tribobabo fait qu'on est que pays dominicain a voué et force police qui fait partie de force MSS pour aller en Haïti, lui démenti ça catégoriquement dans micro VOA Creole. Donc il dit non, pays dominicain pas gain force pali qui a fait partie de MSS là. Et puis tout secrétaire d'État, alors assistant secrétaire d'État, lui parlait justement de secrétaire d'État lui-même Anthony Blinken qui était annoncé hier déjà et bien que département d'État prend sanction contre ancien député Profane Victor, chef gang ça vient Luxon Elan et lui bail plus de détails sous sanction en général. Qui ça sanction, vous voulez dire qui ça a implémenté et qui conséquence sanction et tout. Nous t'ai posé une question sur des sanctions qui te prend déjà, par exemple sanctions qui te prend contre ancien président Joseph Michel Martelly, libay détails sous ça, l'expliquer paramètres et sanction vous voulez dire et pour qui ça sanction pour qu'on implémenter d'après ça en pile monde d'avril. Et puis finalement, il parlait tout certainement de ça gouvernement américain a fait pour aider pays d'Haïti dans affaire crise humanitaire là Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Creole dans l'occasion 79e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Donc Valério, et à demain.